faut pas construire les maisons tout près de la mer parce que si il va y avoir un tsunami, les maisons vont être cassées. On a plus de 30... Connaître les risques majeurs qui entourent la population. En participant à cet atelier autour de l'érosion, permet à ces jeunes collégiens de Mtsamboro de mieux appréhender leur environnement. Il y a 3000 tonnes de terre qui descendent dans le lagon. Ils transforment le lagon en marron. Pour l'Association des naturalistes de Mayotte, cette rencontre avec la jeunesse est une étape primordiale pour une prise de conscience citoyenne. Ces enfants-là, ils sont les futures générations. Donc c'est mieux dès maintenant de les sensibiliser comme ça. Ils pourront savoir ce que c'est l'érosion. L'érosion des sols est un des risques naturels majeurs qui frappe Mayotte. Mais ce n'est pas le seul. Les inondations, les séismes, les mouvements de terrain, les cyclones ou encore la submersion marine. Le territoire insulaire de Mayotte est particulièrement exposé à de multiples risques naturels, sur le littoral surtout. Les écoles, les mosquées sont situées le long du littoral. Ce sont des lieux de rassemblement où les personnes seraient amenées à être vulnérables face à un risque d'inondation. Autre sujet de mystère, de curiosité et de recherche, le volcan Fani Maore, un géant sous-marin populaire et craint. J'ai dessiné un volcan parce que je les aime bien et que ça représente le volcan qui est aussi à Mayotte. Le village de sensibilisation Namjeri Lagouezi Atwari a été co-organisé par la mairie de Mtsamboro et l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Il était donc important pour nous d'essayer de rencontrer la population, d'essayer de créer, de faire cet événement pour les sensibiliser donc sur les risques aux risques naturels. Une grande majorité de la population mahoraise habite sur le littoral, dans des zones à risque. 50 000 personnes environ vivent en zone d'aléa inondation à Mayotte, dont 36% dans des logements. 7% de la population a une chance sur 100 d'être impactée chaque année par une submersion marine.